Bonjour, bonjour, Fantomas. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. Et la journée commence bien. Ah, Lydiane, bonjour. Lydiane, la combattante. Bonjour. Je vais juste faire un petit direct de 10 minutes. Voilà, vite fait. Salut tout le monde, salut Joseph, salut. Faut tenir. Ne vous découragez jamais. Abandonnez jamais ce combat que vous avez entrepris. Nous allons le finir, nous allons l'achever. Nous expérimentons les soubresauts de fin de règne. Et c'est ça, c'est notre contribution, c'est notre détermination et notre persévérance qui va nous amener à la libération de ce pays. Donc, personne ne doit vous ébranler, vous décourager. En fait, moi, j'ai besoin juste de m'adresser. J'évitais personnellement de m'adresser à la personne de Ghana parce que moi, j'estime qu'il est malade. Hein. Être bipolaire, c'est une maladie. Il a des problèmes psychotiques, etc. Parce que lorsqu'on observe la démarche de ce monsieur, on se pose finalement la question. Joseph Beaulieu, tu es français. Ok, Joseph Beaulieu. J'ai appelé ton nom. Ok, Lydiane, courage à toi. Hein. Courage. Comme tu es au boulot, courage. Ouais, c'est ça. Il ne m'intéresse vraiment pas. Et personnellement, ce n'est pas des gens. Sylvie Siliki. Bonjour. Sylvie Siliki, bonjour. Pardon, ne faites pas des jaloux, je vous en prie, c'est bon là, j'ai cité quelques personnes, c'est bon. Ok. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui ne m'intéresse pas personnellement, que je n'ai pas observé, parce que moi, je n'aime pas sa démarche, je n'aime pas sa façon, sa méthode de fonctionner. Et curieusement, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, etc., qui sont de la même aire géographique, qui l'écoutent bien, qui se disent que Ghana est en train de résoudre un certain nombre de problèmes, etc., au niveau du tribalisme. Mais je veux tout le dire. Moi, je croyais au départ que, en fait, lorsque Ghana utilise le tribalisme pour opposer aux architectes de l'État, les architectes du régime de M. Paul Biya, les architectes de la reine tribale du régime de M. Paul Biya, je me suis dit, dans sa logique, lui en tant qu'homme, un homme scientifique, un professeur en même temps, que sa démarche était de reproduire les mêmes effets que nos adversaires sont en train de nous poser. En fait, de montrer ce que ça peut faire lorsqu'on instrumentalise la haine tribale, où on dévie les questions essentielles dans un pays pour se jeter dans la haine tribale. Donc, pour moi, je pense qu'il voulait rééquilibrer ce débat et opposer à nos adversaires la même théorie, sans toutefois demeurer dans cette logique, ou bien approfondir cette logique, ou bien utiliser la haine tribale pour régler ses comptes et rester par là. Mais au fur et à mesure, j'ai l'impression que il s'y plaît, et il utilise cela non seulement pour captiver d'autres personnes qui ne peuvent pas vraiment s'exprimer ou bien se poser, mais utilise un Ghana pour avoir une certaine satisfaction de ce qu'ils ont vécu. Mais ce que je vais dire, c'est que à la haine tribale, on ne peut pas opposer la haine tribale. Ça, je vous le dis. Pour détruire la haine tribale, ce n'est pas en opposant à la haine tribale, la même haine tribale. Ça ne peut pas marcher. En fait, si vous le faites, vous serez en train d'inaugurer un cycle infernal de discussion, de division, et même amplifier finalement, bien donner raison aux théoriciens de la guerre civile. La meilleure façon de déconstruire la haine tribale, c'est d'abord sensibiliser, conscientiser, mais aussi, pour ceux qui sont victimes d'une certaine stigmatisation de leur communauté, vous avez juste besoin de restaurer votre fierté. Et quand je parle de la fierté, vous puisez dans votre culture, ce qu'il y a de plus bon, et démontrer, parce que en fait, la haine tribale se construit sur certains mécanismes où on va prendre
certains préjugés, on va opposer à une communauté, inventer des tares à une certaine communauté en faisant croire à l'opinion nationale ou internationale que voilà comment la société fonctionne, voilà comment ils sont, etc. C'est les gens, les femmes là, c'est, on va tout mélanger. Mais pour déconstruire la haine tribale, vous avez juste besoin de restaurer votre fierté. Moi, je ne pourrais jamais attaquer quelqu'un, celui qui exerce une haine tribale contre ma tribu. Je ne pourrais jamais l'opposer à la haine tribale. Parce que je sais que dans toute communauté, il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Tout ce que je fais, puisque pour lui, c'est de démontrer que ma communauté a des tares, de démontrer que ma communauté est dangereuse, je ressors le côté culturel, le bon côté de ma culture, et je démontre à la personne que tout au contraire, je suis désolé de ce que vous êtes en train de penser de ma communauté, mais dans ma communauté, on retrouve aussi des valeurs. Donc, ceux qui doivent soutenir Ngana dans le prétexte de vouloir combattre la haine tribale, vous êtes dans une très mauvaise démarche. Tout ce qu'il faut faire, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre appartenance, soyez fiers de votre tribalité et vous le valorisez. Moi, ceux qui me connaissent autour de moi le savent très bien. Moi, je me rappelle, j'ai vécu dans un quartier où on nous appelait Graffi. On était très jeunes, on nous appelait Graffi. J'ai une de mes tantes, elle est décédée aujourd'hui. Pour certains qui va connaître, qui vivent au kilomètre, c'était une de mes tatas, Charlotte. Nous, on était traumatisés, le voisinage, tout le monde, les gens nous attaquaient. Il y avait des parents qui nous insultaient tout le temps et faisaient comprendre que les Bamiléké, oui, c'est les graphies, des personnes sales, des personnes qui ne mangent pas bien, qui ne se nourrissent pas. Et nous, étant enfants, ça jouait quand même parce qu'on était les seuls Bamiléké dans le coin. Mais moi, j'ai ma tata qui, elle, venait de temps en temps à la mère, qui a souvent vécu cela, cette histoire où on raillait tout ça. Elle dit non, écoutez, dans notre culture, il y a beaucoup, il faut puiser. Soyez fiers de ce que vous êtes. Et moi, dès que j'ai expérimenté cela, je me suis dit mais non, c'est ma tribu, je ne l'ai pas demandé à n'être Bamiléké, mais je dois tout autant être fier de ce que je suis. Moi, j'ai commencé à valoriser ma culture, je vous le dis. Que j'ai deux voisines, elles vivent hein, actuellement, elles ne sont pas Bamiléké, elles sont Sawa. Lorsqu'on les draguait, à cause de ma fierté, et mes frères, on était tellement fiers, et moi j'imposais toujours le nom de ma famille, Tchoumbou, Tchoumbou, la famille Tchoumbou, la famille Tchoumbou, j'imposais vraiment, je créais ce choc. Et je me rappelle, il y a deux voisines, je vais taire le nom, elles m'écoutent, il y a deux voisines, il y a une qui a été draguée une fois, on lui demande... son nom, elle dit je m'appelle je ne donne pas son prénom sinon elle saura. Elle dit je m'appelle elle donne son prénom et elle ajoute Tchoumbou. J'ai une autre voisine qui avait fait pareil qui a donné son prénom et elle met Tchoumbou. Mais pourquoi? En fait je me suis rendu compte que tellement on était fiers de nous, tellement on valorisait ce que nous étions, vous voyez un peu, ça a transformé le comportement autour. Moi j'ai beaucoup autour de moi des amis qui disent gars, tu veux être Bamiléké, etc. Mais au départ, je n'en veux pas, peut-être mes voisins, mais c'est des parents qui avaient des clichés. Ça, c'est organisé par le colon depuis, où on a fait croire que le Bamiléké est quelqu'un d'envahisseur, c'est un colon, c'est quelqu'un qui vient, etc. Mais par notre chemin, par notre démarche, ils ont vu, moi, dans mon quartier, sincèrement, j'ai, là où je vis dans mon quartier, moi, je me rappelle les amis à mon grand frère, parce que la plupart des amis à mes grands frères sont beaucoup plus les savoirs. L'aîné, sa famille, ses amis sont beaucoup plus les savoirs. Qui aujourd'hui connaissent mieux notre village que leur propre village, là où ils sont nés. Ça, je vous le dis. Chaque vacances, cette année, bon, ils ont refusé un peu de partir. Il y a beaucoup qui sont... Chaque année, là, l'année dernière, ils se sont retrouvés tous au village, dans mon village à moi. Ils connaissent mon village. Je vous le dis, certains aînés, certains voisins du quartier, hein, des amis à mon grand frère, qui connaissent très bien. Et quand ils sont allés au village, bon, ils vont tout le temps, hein, ils voient comment ça se passe, comment c'est simple, ils sont heureux. Et là-bas, ils vivent la nature, ils respirent la nature. Mais avant, ce n'était pas ça. Avant, je me rappelle qu'ils ne, si on leur proposait, les parents devaient leur dire... non, on n'allait pas chez les Bamiléké, on risque de vous tuer, on risque de vous prendre dans le farm, là, tout ça. Mais c'est que,
À un moment, on a restauré cette fierté. Mes frères et moi, nous étions tellement fiers de ce que nous sommes. Moi, je me rappelle mon frère, lorsqu'il est allé dans un deuil d'un voisin, un aîné qui est mort que, personnellement, que j'aime bien. Et vous savez, les doigts-là, ils ont leur tenue. Quand ils ont, mon frère, lui, il a mis la tenue de notre village, le Nord. Il a mis et il a mis du sel. Mais je vous assure, avec les chefs Sawa qui étaient là, qui représentaient, ont voulu lui donner la place. C'est une élite et tout ça. Et tout le monde était fier de sa tenue, etc. Mais il a fait, est-ce qu'il a dénigré la culture de l'autre? Non. Mais il a juste mis son identité. Il a juste valorisé sa culture. Il est fier de ça. Vous voyez comment nous, cette génération, on a transformé, on a changé des mentalités, sans toutefois opposer la haine. Ça ne servait à rien d'entrer dans un conflit avec nos voisins, etc. Mais c'était de restaurer et d'être fier, de puiser dans notre culture. Ce qui est fondamentalement intéressant. Et c'est ce que nous avions fait. On a puisé dans cette culture. On l'a valorisé parce qu'il y avait quelque chose de positif. Et non seulement sur la culture mabiké, dans plusieurs cultures. Mais faites fier de ça. Donc, pour déconstruire la haine tribale, vous n'avez pas besoin d'être haineux. Vous n'avez pas besoin de poser la haine tribale à d'autres tribus, non. Vous avez juste besoin de restaurer votre fierté. Soyez fiers de ce que vous êtes. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se cachent derrière Ghana. Comme lui, il utilise la haine tribale pour attaquer ses adversaires, il pense que c'est la meilleure façon de solutionner ce problème. Tu as donc beaucoup qui l'accompagnent dans ce sens-là, qui viennent se cacher derrière, qui sont fiers de ça en se disant que ouais, sûrement ils vont rééquilibrer. Mais non, c'est pas la bonne méthode. Cette méthode, elle ne peut pas être inclusive. Elle ne peut pas regrouper, elle ne peut pas mettre tout le monde d'accord ensemble. D'abord, moi, je ne partage pas ça. Moi, pour moi, cette méthode conforte finalement nos adversaires qui nous présenteront comme étant des ethnofascistes, comme étant ceux qui de ceux qui voulant imposer une certaine hégémonie à d'autres tribus au Cameroun. Or, ce n'est pas ça notre démarche. Notre démarche, c'est d'avoir une société de confiance, un état de confiance, là où tous les Camerounais pourront se sentir très à l'aise, là où tous les Camerounais apporteront de tout ce qui est bien, intéressant dans leur culture, pour qu'on puisse construire notre nation. Parce que finalement, c'est la différence qui fait la beauté de notre nation. Or, que de rester dans un couloir qui ne cadre pas, ce n'est pas intéressant. Donc, ceux qui le suivent dans cette démarche-là, vraiment, je suis désolé, vous ne faites pas l'affaire du changement de notre République. Je peux comprendre les frustrations qui peuvent exister. Je peux comprendre la haine tribale qui est poussée, la stigmatisation de notre communauté. Nous sommes conscients, nous le savons très bien. Ça existe. Nous nous bataillons, nous bagarrons pour que finalement, nous trouvions une république où tous les Camerounais seront à l'aise, où le droit de tout un chacun, de toute communauté sera respecté. Nous travaillons pour que ce que le colon a pu imposer, implanter dans la conscience des Camerounais, que le Bamileke est un dangereux pour notre société. Nous avons l'obligation de déconstruire ce schisme pour démontrer à l'ensemble des Camerounais que nous sommes des Camerounais qui réclamons juste un bien-être, qui voulons juste voir la condition des Camerounais être améliorée. Et c'est ça notre travail. Or, quand vous vous enfermez dans une posture tribaliste, vous n'aidez pas le combat. Et vous n'aviez pas besoin de prendre ce monsieur bipolaire de Ghana, qui va apporter votre réalisation. Un Camerounais sérieux, équilibré, ne peut pas continuer de suivre Ghana, ne peut pas marcher avec cet homme, ne peut pas approuver sa méthode. Il est non seulement un danger pour la région de l'Ouest, mais il est aussi un danger pour notre révolution. Écoutez, moi j'aime bien me le dire et je le témoigne chaque jour. Moi, à un moment, la politique m'a découragé parce que j'ai accompagné des partis politiques. À l'époque, quand je m'engage en près 2018. Après 2008, je m'engage
auprès de, du Manidem. Et j'avais pour un mentor, Anissé Banda. Bandakani, beaucoup plus, parce que j'appréciais vraiment ses idées sur le marxisme, etc., sa détermination. Mais après, j'ai été très déçu par après, parce que c'est des gars qui pensent qu'il faut utiliser peut-être la contestation politique comme passerelle d'accès à un poste de domination ou bien à une plateforme de financement. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Ils m'ont déçu. Ils peuvent avoir tout. Le verbe qu'il peut avoir, toute la parole qu'il peut accompagner, mais tant qu'il n'est pas assis sur des convictions, moi ça ne m'intéresse pas. Je suis parti, j'ai été recruté par le PURS, j'ai été sollicité par Serge Espoir Matomba, un autre dangereux dans la politique, pour ceux qui le connaissent personnellement, j'ai été l'un des CELCOM dans ce parti-là. Je suis membre fondateur du PURS, j'ai ma signature dans l'acte qui légalise l'acte de naissance de ce parti. Mon nom y figure jusqu'à aujourd'hui. Mon nom, il figure jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque j'ai vu la démarche, j'ai été déçu, découragé. Et en ce moment, j'ai dit non, moi et les politiciens, c'est bon, c'est fini. J'ai même accompagné certains hommes de la société civile. Vous avez un là qui se présente de la société civile, David Debouto, qui est une déception. David Debouto n'a pas de notion de démocratie à nous apporter. L'arrestation de David Debouto, c'est son erreur à lui. C'est des gars cupides. David ne peut pas dire, moi j'ai averti David. Lorsqu'il a commencé à se frotter avec un de nos anciens camarades qui est Patrice Apak, j'ai dit à David, David m'a dit qu'on ne trompe pas les intelligences, que lui c'est une intelligence. Il sait ce qu'il fait. Quand les gars ont pris soin, j'ai dit, mais écoutez, nous avons fait des plateaux où nous avons démontré que Sassou était un dictateur. Il a marché sur plus de 20 000 Congolais. Aujourd'hui, vous allez le célébrer. Mais Sassou, lui, c'est Sassou, c'est un animal politique. Si ce monsieur décide d'être cynique, il sera cynique. Et lui, comme il en voulait, il cherchait la tête de ces gars, il a organisé, il a mis la part. Et comme c'est des gars cupides qui n'ont pas de conviction, moi je devais être arrêté. Hein. Si j'avais accepté de trahir mes convictions, ce que j'étais en cellule, ce que j'aurais accepté, parce qu'il quitte d'abord d'Afrique Média, il s'en va être recruté à Vision 4. Moi j'ai dit, moi je ne quitte pas. On peut être en désaccord avec Afrique Média, mais je respecte le directeur de cette chaîne, personnellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je le respecte, c'est un grand homme. Peut-être on peut être en désaccord avec la ligne éditoriale, mais l'homme, moi je le respecte beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui donne l'opportunité à tout le monde. Quand les gars ont voulu, parce que les gars ont voulu amplifier la Vision 4, pour aider à remonter Vision 4. Et comme le monsieur de Vision 4, lui aussi, c'est un businessman. On les a battus, on leur a dit, OK. À l'époque, Sassou devait faire un mandat où il était contesté par l'opposition, à l'époque avec le général Mokokop qui est en prison. C'était dur. Donc, et vous savez que le débat sur le panafricanisme, après l'arrestation de Gbagbo, a été beaucoup amplifié. Il y a un sentiment anti-français qui a été amplifié en Afrique. Et les présidents cherchaient donc les gars qui vont les aider pour ça. Mais Sassou avait un problème, c'est que ces gars l'avaient sali. Et Sassou, c'est un animal politique. Ce monsieur est cynique quand il veut l'être. Il a organisé, c'est l'ambassadeur Moulium, l'ambassadeur du Cameroun au Congo, qui organise le deal avec le président directeur de Vision 4. On les a promis beaucoup d'argent. Les gars comptaient des centaines de millions dans leur tête. Et Boudou et Sabak. Moi, j'ai renoncé. J'ai refusé. C'était mes gars. On a traîné ensemble. C'était mes gars. Je respectais. C'était mes gars. Je les respectais véritablement. Mais quand j'ai vu la trajectoire, je me suis écarté. J'ai averti. Mais les gars, à cause de la cupidité. On les a vantés qu'ils auront beaucoup de millions. Et le PDG de Vision 4, dans le deal là, il est trop fort. Les gars ont commencé à changer le discours. Des gars qui étaient assis sur des convictions. Les gars que l'Afrique aimait écouter. Tout le monde aimait écouter. Lorsque les gars vous expliquaient les choses, exposaient les dictatures, exposaient
le système, la France-Afrique. On était séduit de les écouter. Mais un jour, le lendemain, les gars ont changé directement de discours parce qu'on les a présentés. On les a miroités quelques millions. Voilà des gars qui abandonnent la conviction, leur conviction, et se retrouvent. Oh, ça s'est organisé un deal pour l'arrestation. Dès qu'il a réussi. Parce que les gars de Léon Disco, vous oubliez, ceux qui gèrent sont des mécréants, ni foi ni loi. Vous pouvez faire leur affaire aujourd'hui. Le jour où ils pensent qu'il faut vous écraser, ils vous écrasent. Ça s'organise en complicité avec certains caciques du régime. C'est comme ça qu'on les arrête. Or, ils réclamaient leur argent. Lorsqu'ils demandent donc à Bellingham, à mon goût Bellingham de Vision 4, que dit-on? Nous avons travaillé, tout ça, on a aidé le président à faire sa communication. Ouais, où sont nos millions? Le gars dit, c'est vous qui payez le micro ici chez moi. Vous payez les fonctionnaires, chez le gars. Voilà. Ils ont commencé à insulter le monsieur sur les réseaux. Et ils se croyaient des grands spécialistes. Ils croyaient trop fort qu'ils avaient les personnalités ressources qui à un coup de fil devaient seulement écarter. Mais ils avaient oublié que c'était un deal. Le gars a déposé une plainte. Outrage au président. Vous savez, les autorités là-bas sont des bandits. Quand les gars veulent vous écraser, ils ont tout. On a outrage à un président étranger. Le code pénal du Cameroun condamne ça. Des dames. On a mis faux usage de faux. Ils avaient des griefs. Voilà comment les gars passent gratuitement plus de 3 ans en prison. Mais on s'est mobilisé. Malgré notre humanité, avec notre humanité, on s'est mobilisé. Qu'il ne faut pas laisser les gars. Mais le voilà l'homme de la société civile. Qui lui a été victime. Que les bourreaux ont voulu écraser. L'homme de la société civile. Aujourd'hui veut nous rappeler les notions de souveraineté et d'ingérence. Vous voyez comment ils sont. Donc ce sont des éléments qui m'ont découragé parce qu'on ne trouve personne. Personne. Dans le champ politique camerounais, ils sont rares. Ceux qui peuvent non seulement avoir un discours cohérent, mais être en adéquation avec le discours. Donc poser les actes au-delà du discours, mais les actes viennent confirmer le discours qu'ils portent. Ils sont rares. Ils sont rares. Ça existe, mais ils sont rares. Ce qui existe, c'est la plupart des rentemplants politiques. Voilà ce qui nous a dépolitisés, on s'est écarté. Lorsqu'en 2018, moi, on vient me solliciter encore pour le parti PCN, machin, truc. Les gars opposent machin. J'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis fini. Ça ne m'intéresse plus parce que la plupart sont des bluffeurs. Et aujourd'hui, cette position que j'avais eue pour ne pas adhérer à ce parti me donne raison. Même le MRC, on est venu me voir. Des amis, hein. Pas des amis qui... Sachant ceux qui me connaissent, qui sont bien impliqués, que je salue, que non, Stéphane, j'ai dit non, je prends des distances, je vais observer, parce que je sors d'une déception. Les hommes politiques, ce soi-disant de la société civile, tout se sépare. Mais quand je viens ici, je dis non, il ne faut pas que je prenne mes distances, il faut que j'observe la scène. J'ai donc le leader du MRC, le professeur Maurice Kamto, j'observe la démarche de cet homme. J'observe. Chaque jour que j'observais, il y avait une cohérence. Il me rassurait. Je me suis dit, ah, ce monsieur, c'est sûr qu'il va porter les aspirations profondes du peuple. C'est 3 jours avant l'élection que je décide de soutenir le MRC. 3 jours avant l'élection que je décide. Parce que pendant ces 3 jours, j'ai la ferme conviction que le type a l'épaisseur. Le type est sérieux dans sa démarche. Parce que les Camerounais ont été dépolitisés depuis quelques dizaines d'années, hein, depuis quelques années. Parce qu'ils n'existent pas devant Paul Biya. Il n'y a personne qui avait l'épaisseur politique pour l'affronter. Paul Biya a corrompu toute
toute la classe politique camerounaise. Tous, je dis bien la majorité, tous étaient corrompus. Et ça contribue à dépolitiser les Camerounais. C'est pour ça que le taux d'abstention peut bien s'expliquer. Les élections au Cameroun n'étaient pas causées. C'est en 2018 que nous avons eu l'espoir, une telle mobilisation. Et que si les gens savaient, un seul instant, que ça devait susciter l'engouement, je suis sûr que les gens devaient s'aligner pour s'inscrire. Mais avant ça, c'était pas. Le passage du MRC à la Cour constitutionnelle a sauté beaucoup de verrous. Les Camerounais ont compris le bien fondé de s'engager politiquement, de s'exprimer. Et ça, c'est pas l'avènement du MRC qui a démontré qu'il y a une autre façon de faire, qui a exposé les tares et les avatars de ce régime qui intéressait tous les Camerounais. Les Camerounais ont pris goût. Moi, j'ai des témoignages. La plupart des Camerounais disent que c'est en 2018 qu'ils ont commencé à s'intéresser au Cameroun, ceux qui sont de la diaspora, qu'ils ont même commencé à écouter la politique, à se fier à la politique. À partir de 2018, beaucoup de Camerounais témoignent. Mais il y a beaucoup d'éléments qui ont contribué à ça. C'est pour ça que quand quelqu'un dit que c'est moi qui ai fait sortir les Camerounais, alors, c'est de la prétention. Il faut le dire, et le savoir. Le MRC et son leader Maurice Kamto, c'est lui qui a donné la force aux Camerounais de prendre goût à la politique. Ça, c'est indiscutable. Et on ne peut pas utiliser le nom de ce monsieur. Faire du marchandage, du clientélisme, après l'insulter. Nous autres, qui étions découragés, qui étions sceptiques pour l'avenir de ce pays, Maurice Kamto a suscité l'espoir en nous. Et quiconque voudra s'abattre ou bien s'attaquer à cet individu, à cet homme, nous aura sur son chemin. On ne peut pas tolérer qu'un individu comme Gadan puisse dire que Maurice Kamto est l'auteur du décès de Paul Eric Kinguen, ensuite de Pendé Koka. On ne peut pas laisser passer des choses comme ça. On ne peut pas écouter quelqu'un comme ça. Si vous êtes content de vous balader ou bien de vous amuser, du fait de la politique spectacle d'exhibitionnisme, en suivant un tel homme, nous sommes très sérieux. Nous sommes sérieux. On ne peut pas continuer de cajoler un tel homme, soit disant qu'il porte je ne sais pas quoi, un projet de Mamiké qui fiche le camp. Vous n'avez pas besoin de Ghana pour exprimer votre bamititude. Vous n'avez pas besoin de Ghana pour être fier de ce que vous êtes. Ne vous cachez pas derrière un nœud, un bipolaire. Être bipolaire, c'est une maladie. Il a des problèmes psychotiques. Il n'est pas équilibré. Un déséquilibré ne peut pas être votre lumière. Un déséquilibré ne peut pas être celui-là qui vous impose un courant de pensée. Il faut cesser. Si vous aimez le combat pour la libération du Cameroun, faites le choix des hommes qui vont vous accompagner pour ça. Nous ne sommes pas dans une guerre tribale. Nous ne sommes pas dans une guerre avec quelconque ethnie ou tribu. Nous sommes dans une guerre contre les mécréants, ceux qui ont pris en otage notre pays depuis 40 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il est question. Quand je vois des gens suivre un petit frustré, comme Ghana, qui ose insulter le professeur Maurice Kamto, qui le traite de tout, et vous continuez à l'assumer, vous continuez de l'encourager, vous êtes dangereux pour notre évolution. Maurice Kamto, cet homme, vous l'avez vu insulter quelqu'un? Ce type, chaque jour qu'on se lève, des gens déchirent son nom. Des gens racontent n'importe quoi l'insulte. Mais face à cette vague d'insultes et d'injures contre sa personne, on assiste à un reniement de certaines personnes qui se disaient ses proches collaborateurs. Il reste serein. Il oppose l'amour. Il ne dit rien. Et vous voulez détruire ce qui nous est cher,
Cet homme qui a décidé de tout abandonner. Qui a décidé de faire la différence dans ce troupeau de rentre-en-plan politique. Tant que vous l'attaquerez, tant que vous diriez n'importe quoi sur ce monsieur, nous n'allons pas vous le permettre. Parce que pour nous, il représente l'espoir. Et quand on l'a dit, il ne s'agit pas pour nous d'une déification de l'homme de Maurice Kamto. Mais il s'agit de la reconnaissance d'un peuple qui, lui, plus de 30 ans, 25 ans, a été sevré d'un véritable leader de l'opposition pour affronter Paul Biya. Et nous, si la nature nous a permis d'avoir un tel homme, nous devions le salmodier, le chérir, l'encourager, lui apporter toute l'énergie et la force qu'il faut pour l'encourager. Donc tous ceux qui vont s'attaquer à cet homme, nous aurons sur le chemin. Donc je demande à tous ceux qui aiment ce combat, à tous ceux qui reconnaissent finalement le leadership de Maurice Kamto, même si vous n'appartenez pas dans son mouvement politique. Pour nous, nous ne l'avons pas enfermé dans sa chapelle politique et à l'OMRC, que nous saluons tous les membres, ceux qui lui sont restés fidèles, loyaux. Nous saluons leur combat, nous saluons la détermination. Mais au-delà de cette chapelle politique, Maurice Kamto est devenu un patrimoine national. Et c'est pour ça que nous le défendons. C'est ce que vous devez comprendre de Faux Cissé. Donc, ceux qui disent qu'ils vont aller, il n'y a aucune manifestation. Et je suis très fier et d'accord, Elvige Gecko, en Suisse, et Hilaire, qui se sont désolidarisés. Parce qu'on ne peut pas accepter reconnaître un leadership. Il est qui reconnaît le leadership de Maurice Kamto, Elvige Gecko qui reconnaît le leadership de Maurice Kamto. Ils ne peuvent pas accepter de travailler avec un individu qui renie leur leadership. Écoutez, ne soyez pas naïfs. J'ai entendu des gens dire, non, c'est pour le Cameroun. Si c'est pour le Cameroun, va... Non, je suis désolé. Ce n'est pas tous qui disent Paul Biya doit partir, qui veulent effectivement que Paul Biya parte. Ces gens freinent le combat. C'est que Ndana fait, démobilise les troupes. Si ça ne contribue pas à l'avancement de notre combat, on ne peut pas le suivre, on ne peut pas l'écouter. Donc, restez chez vous, le 28, que personne ne parte. Qu'ils ramassent ces fanatiques et ces pauvres personnes qu'ils aiment. On ne peut pas utiliser le nom de Maurice Kamto comme il a souvent fait. S'il a eu du gombo, c'est à cause des effigies de Maurice Kamto. On ne l'achetait pas à cause de Ghana, on l'achetait à cause de Maurice Kamto qu'il utilisait. Tu ne peux pas t'enrichir sur le dos d'un homme. Cet homme qui est pour toi une source de bénédiction, le régner aujourd'hui, ou bien insulter, c'est méchant. C'est de la pure sorcellerie. Donc le 28, pour ceux qui connaissent notre cohérence, pour ceux qui sont attachés aux idéaux de ce combat, n'allez pas accompagner un déséquilibré mental. Sinon, finalement, ce n'est pas la personne qui va m'intéresser, mais c'est vous, finalement, qui... C'est vous qui allez rendre malheureux, parce que finalement, parce que lui, c'est comme ça qu'il est. Il ne va pas changer. Mais ce qui va nous faire mal, c'est que nous avons donc des individus qui vont aller l'accompagner dans cette connerie de salaire de café de commerce. Il faut arrêter. Si vous êtes sérieux, et si vous êtes cool, et si vous êtes attaché aux idéaux de la libération de ce pays, il faut cesser de faire de la différence. Cet homme doit être effacé. Et je vais interpeller nos camarades et nos amis du combat. Cessez de rester dans du sensationnalisme. C'est un danger. Il y a des gens aujourd'hui ils insultent Kamto. Ils savent que si j'insulte aujourd'hui, et demain je reviens, je dis j'aime Kamto, les gens vont, on ne me trompe pas comme ça. Soyez vigilants. Et ils sont plusieurs. Il y a d'autres qui amplifient, qui font comme s'ils aiment Ghana. Ils disent qu'ils vont aller l'accompagner. Derrière, c'est les mêmes gens qui vous disent qu'ils aiment Kamto. Méfiez-vous, c'est un danger. En fait, leur attitude nous renseigne de cette conspiration qu'ils ont contre la personne de Maurice Kamto depuis, de son leadership. Soyez renseignés de ça. Ils sont plusieurs dans la diaspora. Ils sont en train d'amplifier ça. Certains qui se disent être des combattants et des combattantes. Ils disent non, ils vont aller.
Allez observer toutes ces personnes. C'est des gens qui n'ont jamais assumé. Qui n'ont jamais reconnu le leadership qu'incarne le professeur Maurice Kamto. Mais c'est des gens très malins. Lorsqu'ils veulent votre approbation, lorsqu'ils veulent vous flatter ou bien faire passer des projets, subtilement, ils viennent vous faire croire qu'ils aiment le professeur Maurice Kamto. Je dis, je les connais. Je les connais personnellement. Ce sont des bandits. Nous, on n'assume pas le professeur parce qu'on fait, je ne sais pas, le culte de la personnalité ou bien on veut faire plaisir au professeur. Jamais. Nous assumons le président Maurice Kamto de par les actes qu'il pose. C'est pour ça que nous le respectons. Même qu'on a souvent des incompréhensions sur sa démarche. On fait souvent des ratés, mais on s'excuse après. C'est sincère. Mais on ne le fait pas en mettant toute l'énergie pour déstabiliser l'homme. Mais la plupart sont des gens qui travaillent à déstabiliser le leadership de Maurice Kamto. Et ils disent vouloir libérer ce pays. Je suis désolé. Pour renverser ce régime, il faut opposer à l'architecte de ce système, M. Paul Biya, un homme. Et si la sélection naturelle est voulu que ce soit Maurice Kamto, nous devons composer avec. Que celui qui n'est pas d'accord aille brûler le lac. Je suis désolé. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que vous nous dites qu'il ne faut pas seulement imposer le leadership de Maurice Kamto, quel est donc le leadership qui s'est démarqué, qui a posé une certaine différence pour que nous puissions aussi l'embrasser? Aucun. Tous ont trahi l'espoir du peuple. Ils ont utilisé la politique comme business. Voilà d'autres qui sont là, qui disent qu'ils vont créer des partis. Lorsqu'ils ont été fustigés, partis des bâtisseurs, ils refont un rétro-pédalage tout en disant qu'ils sont de l'organisation du MRC. Mais vous n'allez pas détruire ce parti. Nous vous avons à l'œil. Et nous allons travailler à vous isoler. Vous allez partir. Nous n'allons pas vous chasser. Mais nous allons travailler à ce que vous disparaissiez de la scène politique. La politique du business, c'est fini. J'entends des gens disent, oui, pourquoi vous attaquez Ndoki? Écoutez, si tu ne veux pas qu'on t'attaque, ne viens pas politique. Nous-mêmes, on nous attaque. Moi, qu'est-ce qu'on dit pas sur moi? Ça me fait quoi? Mouf. Mouf. Toi, que tu vas dire ça, ça va mal. Mouf. Je suis là pour les amis, imbécile. Ouf. Donc tu perds, tu dégames, je te lave correct, c'est ici, on te lapide. C'est notre espace. Et nous l'avons à l'œil. Parce que nous savons, même quand le professeur ne parle pas, il ne dit rien, les gens nous disent, cette femme en prison, elle avait dit, voilà quelqu'un qui veut porter le projet du Cameroun. Elle a dit en prison, au professeur, dis donc, laisse ça, va négocier avec les gens, on sort. Voilà quelqu'un qui veut libérer les Camerounais. Elle dit au président Maurice Kamto, en prison, dit donc, laisse ça, va négocier avec un sort. Et ça, ça veut me libérer. Vous êtes malade. Pour affronter ce régime, il faut de l'épaisseur. On ne blague pas. Si vous vous découvrez en politique, nous là, on a eu la chance d'être là-dedans depuis. On connaît les acanes. Donc tu t'as, on te lapide. On ne blague pas. On n'est pas là, ce n'est pas les amusements. On te lapide. Donc elle dérape, vous lapidez. C'est clair. Ça doit pas, on ne doit pas. Ce n'est pas du sentimentalisme. On n'est pas là dans ça. Tu es ici pour les amis. Mouf. Tu es ici pour les copains. Mouf. Donc tu n'as pas sur les copains là. C'est ici sur Facebook. Mouf. Tu t'as, on te lamine. Clair et net. On n'est pas là pour blaguer. On ne peut pas laisser plus de 27 millions de Camerounais vivre comme des clandestins dans leur propre pays, avec la complicité des soi-disant des pseudos opposants. Et les laisser balader et dire au nom de la liberté d'expression du dimanche, mouf, les salaires de café de commerce. Vous blaguez, on vous lapide, aussi simple que ça. Donc, peuple, l'histoire de Ghana. Il y a quelqu'un qui dit, tu étais là, tu m'amusais. J'ai des gens qui vous êtes des idiots. Quand je parle de Ndoki, j'ai dit l'autre jour ici là que Ndoki
en Côte d'Ivoire. Attends, déjà tu peux travailler. Quelqu'un me dit tu as la preuve. Ne pas avoir la preuve n'est pas synonyme de mensonge. Et les preuves. Et putain, les Camerounais là. Donc peut-être, il faut que les gens écoutent. Pour établir une vérité. C'est le droit qui le tient. Les éléments de preuve. Le témoignage, les images, les audios, les vidéos, etc. Donc, quand tu me dis que tu as les preuves, tu veux quel genre de preuves? Spécifie bien. Est-ce que tu es d'accord que le témoignage peut être une preuve? Parce qu'il ne suffit pas de dire tu as les preuves. Parce que poser cette question n'est pas synonyme de mensonge. C'est pas parce que je ne te donne pas la preuve que c'est faux ce que je dis ou je raconte. Mais il y a des témoignages qui font foi de preuves, qui sont les éléments de preuves. Vous êtes des idiots. C'est très facile d'avoir une vision aussi étroitesse, comme vous le dites là. Quand quelqu'un vient dire des choses, tu as la preuve. Je peux comprendre. Je peux comprendre votre bassesse, votre niveau. Nous ne racontons pas des choses pour faire plaisir à qui que ce soit. On sait comment ça se passe et comment ça évolue. Le deal politique au Cameroun. Cette femme, elle a pensé faire la politique comme elle croyait qu'on se retrouvait dans des pays de démocratie, entre guillemets, comme en Occident, que c'est très facile pour dire non, nous sommes en face d'une dictature. Et lorsqu'on est en face d'une dictature, on n'a pas besoin d'appliquer les mêmes règles de démocratie dans d'autres. Ici, il ne s'agit pas de nous proposer les projets, etc. Il s'agit pour nous d'organiser les Camerounais à affronter le régime pour libérer ce pays. C'est très important. Donc, c'est vos histoires, création des partis politiques, des salaires de café de commerce. Et vous avez vu, femme de Moki justifiait à l'ancien diplomate qui disait que 300 parti politique est synonyme de démocratie au pays. Vraiment, on est tombé sur bas. Il dit, hein, pour lui, avoir 300, plus de 300 partis politiques, pour lui, c'est synonyme de démocratie. Vraiment, hein, Camerounais, on est tombé sur bas. Et voilà comment on trompe la vigilance. Mais ce qu'ils oublient de dire, que sur 300 partis politiques, et au moins sur 290 partis politiques, ex-croissance du RDPC. Attangandi en a créé depuis 2018. Ils ont même créé 40 partis politiques pour attaquer Maurice Kamto. Et vous allez appeler ça parti politique? Vous allez appeler ça respect des règles démocratiques dans un pays? Vous êtes que des bidons. Vous êtes vides comme des bidons. Vides là. C'est ton droit le plus absolu de soutenir Ndoki. C'est le salaire de café, on s'en fout pas mal. Mais nous, c'est aussi de notre droit. Hein? C'est un autre droit aussi de lui dire, de la fermer. Qu'elle ne vienne pas. Si elle veut faire son truc, qu'elle aille. Mais qu'elle ne touche pas à celui qui nous est cher. Celui qui porte l'espoir de ce pays actuellement, des Camerounais. Tu touches, on te lapide. Maintenant, elle va soutenir. Ce qui est sûr, même sa propre famille ne croit pas en elle. Est-ce que tu le sais? La plupart ne croient pas en elle. Toi-même, tu dis que tu supportes, tu ne supportes pas. Ton problème, c'est que tellement tu as une haine viscérale contre la personne de Maurice Kamto, que tu as donc besoin de prendre des raccourcis comme ça. Mais ça nous fait... Écoute, quand tu fais ça, pour nous là, ça ne nous fait rien. Hein? Ça glisse. Tranquille. Donc, peuple, coup de gueule ce matin. Si vous aimez ce combat, tous ceux qui s'attaquent à notre leader, nous devons nous déchaîner. Nous devons démonter. Ngana n'est pas un exemple. Quelqu'un ne peut pas. Maurice Kamto a été une source de bénédiction pour cet homme. La source qui t'a béni, tu ne peux pas maudire cette source comme ça.
Et ce type a refusé de te saluer. Et les jours, de plus en plus, nous donnent raison. Parce qu'il avait vu cette Bible plantée. Et c'est ça le leader. Ce que certains ne pouvaient pas. Les gens, il y a certains qui se plaignaient de ça, qui ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, la posture du président Maurice Kamto lui donne raison. Il avait vu ça depuis. La bipolarité de cet homme. On ne peut pas faire avec de tels hommes. Donc, Ghana ne doit rien représenter pour vous. Parce que si c'était lui qui avait la flamme de ce combat, je vous assure que nous serions. Il a porté des projets, les scalois, les trucs. Il a miroité beaucoup de trucs, mais ça a disparu. Quand il veut le gombo, il initie un projet. Parce qu'il sait que l'argent va entrer. Il utilise le nom de Kamto quand ça l'intéresse. Mais heureusement que la nature, même si vous vous camouflez n'importe comment, vous allez toujours exprimer le fond de votre pensée. Et c'est ce qui se passe. Il n'est pas seul. Il est accompagné par certaines personnes se disant combattants et combattantes. Qui nous renseigne de la profondeur, de la haine qu'ils portent dans leur cœur et de la conspiration qu'ils ont organisée au sein de la diaspora pour empêcher que la libération de notre pays soit effective. Les agents dormants. Mais on va les écraser. Ils ont pris la politique comme si c'était l'exhibitionnisme, la politique spectacle. Mais nous allons les écraser. Ils ne vont pas passer. Les Camerounais sont sortis de l'obscurantisme, ont une certaine maturité politique et savent discerner le vrai du faux. Et mettez toujours dans vos têtes, si le faux existe, il y a le vrai quelque part. Malgré les rentre-plans politiques qui existent, il y a le vrai quelque part. Et pour moi, Maurice Kamto est le vrai. Les autres, mouf. Bonne journée à vous. Je vous aime.